Chapitre 10, verset 1. Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Le prophète, dans ce verset, on explique que dans le fait, on a besoin déjà de suivre les conseils de nos parents. Quand on parle d'un fils sage, on parle de quelqu'un, un individu qui se comporte pas comme tout le monde dans la rue. Et quand on parle de la rue, on fait la liaison entre la rue et la société. Et là, on peut voir que la société, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Et un enfant de Dieu, ça doit savoir qu'il ne peut pas se comporter d'une manière similaire aux non-croyants, plus communément appelés athées. Et donc, on peut voir aussi que dans la société, on ne peut pas, par exemple, parler mal des autres, on ne peut pas vivre comme les autres. Par exemple, si on est avec nos potes, s'ils parlent d'une discussion un peu bizarre, nous, on ne peut pas vraiment rentrer dans la discussion parce que on fait partie des enfants de Dieu. Et un enfant sage aussi, même un enfant sage, doit savoir qu'on ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi dans la rue, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans la rue. Et donc, j'avais aussi un autre verset, c'était Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Je dis au nom du Seigneur, Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel Dieu te l'a ordonné, afin de... ton Dieu t'a donné. Donc là, en fait, ce verset, il explique que, en fait, quand on obéit à nos parents, quand on honore nos parents, on a une promesse derrière. Et je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le premier commandement où il y a une promesse derrière. Donc ça nous montre à quel point ce verset est important. Et ce verset nous permet de tout simplement grandir dans la vie. C'est un verset qui nous permet aussi de savoir comment, pourquoi doit-on obéir à nos parents. Et dans le comment, on peut citer par exemple, à l'école, même si les parents ne sont pas là, on doit avoir un bon comportement, parce que justement, c'est Dieu qui voit tout. Et aussi, on peut faire honneur à nos parents comme ça, parce que les autres qui nous voient autour de nous peuvent se dire que aussi, nous, on n'est pas comme eux, on est différent, on a une manière différente de faire, et que justement, c'est pour ça qu'on doit obéir à nos parents, et que c'est un verset très important pour nous. Merci.